Bonjour à tous! Vous avez regardé les vidéos précédentes et du coup vous êtes vraiment décidé à prendre un petit lapin. Mais alors, où le trouver? On va commencer par une mise en garde. La solution de facilité serait d'aller en animalerie et de prendre son animal. Mais il y a beaucoup de soucis dans cette démarche. Pour que votre animal arrive en animalerie, il faut l'élever avant. Donc déjà, les conditions pour la création des lapins, pour tout ce qui va être de l'entretien derrière ne va pas être forcément au top et du coup peut générer des problèmes de santé chez votre lapin. Pour que le lapin arrive jusqu'à l'animalerie, il peut y avoir aussi des problèmes de transport, des conditions en tout cas de transport, et générer derrière des problématiques aussi au niveau des lapins. Une fois en animalerie, il va se retrouver dans une petite cage, dans une petite partie, et si vous avez suivi, un lapin ça a besoin de beaucoup d'espace. Donc c'est aussi pas très bien pour son environnement personnel et pour sa santé. Autre chose, quand vous allez prendre votre animal, on va vous le sexez si vous le demandez. Si vous le demandez pas, ils vous le diront pas. Et en fait, ils vont faire ça au pif. Les personnes ne sont pas assez formées pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. Pour un premier animal, cela peut ne pas poser de problème dans le sens où il n'y a pas de cohabitation. Par contre, si vous aviez dans l'idée de prendre plutôt un mâle par rapport au coût de la stérilisation d'une femelle, vous pouvez vous retrouver dans un cas où, bah, finalement, ce n'est pas un mâle mais une femelle. Il faut absolument la stériliser. Et le coût est beaucoup plus important. Autre chose, toujours dans leur formation, ces personnes-là ne vont pas vous conseiller de choses adaptées pour votre lapin. Ils vont vous dire d'acheter une cage de 1 mètre minimum, d'acheter telle ou telle nourriture qui n'est pas bonne pour les lapins, plutôt que de vous conseiller vraiment ce qu'il faut pour votre lapin. Sur cette partie-là, si vous vous êtes renseigné au préalable, comme sur cette chaîne, vous allez avoir plein d'informations qui vous diront ce qu'il faut que votre lapin mange et surtout ce qu'il ne faut pas qu'il mange. Mais cela pose des questions du coup sur l'état dans lequel les lapins sont traités en animalerie, comme les personnes ne savent pas ce qui est bon pour eux. J'en ai fini avec cette petite mise en garde concernant l'achat d'un lapin en animalerie, même si j'aime pas dire achat, là c'est vraiment le cas. Donc il y a une autre possibilité, c'est l'adoption. Donner une seconde chance à un lapin, car il y a beaucoup d'animaux qui ont besoin d'être adoptés parce qu'ils ont été abandonnés par exemple, ou parce qu'il y a eu une mauvaise gestion des grossesses. Il existe différentes associations dans lesquelles vous pouvez adopter votre lapin. Nous allons commencer par celle qui est la plus connue, qui n'est pas vraiment une association, mais qui est la SPA. Renseignez-vous, il y a régulièrement des abandons d'animaux NAC et donc de lapins. Donc vous pourrez très bien adopter votre lapin à la SPA. Il faut aussi savoir qu'à la SPA, quand on adopte un NAC, l'adoption, le tarif en tout cas de l'adoption est libre. Donc vous pouvez donner ce que vous voulez, ce qui n'est pas le cas par exemple pour un chien ou un chat. Dans le cas de l'adoption à la SPA, juste s'assurer que le lapin est bien stérilisé. Je sais qu'ils le font pour les chats, les chiens, pour les NAC, je ne suis pas sûre. Donc ça, ce sera quand même un coût à prendre en compte pour après l'adoption. Et il y a plein d'associations qui existent en France et en Belgique qui vous permettent d'adopter un lapin. L'association peut ne pas être toute proche de chez vous. Ne vous inquiétez pas, il existe des covoiturages pour pouvoir amener le lapin d'un point A à un point B. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous barrez pas la route à cause de ça. Vous pouvez très bien prendre contact avec l'association et voir si cela est possible. Si par exemple c'est en Belgique et que vous ne pouvez pas vous déplacer là-bas, ou que la famille d'accueil est à X ou Y endroit, vous pouvez très bien adopter un lapin sans avoir à vous déplacer jusque l'endroit où est votre lapin actuellement. Si vous voulez avoir un lapin, mais que vous voulez pas vous engager sur le long terme, vous pouvez très bien, justement, on vient d'en parler, devenir famille d'accueil.
Les associations de sauvetage des lapins ont vraiment besoin de familles d'accueil qui permettent de placer les lapins parce que la plupart du temps, ces associations n'ont pas de locaux à proprement parler. Et du coup, ils ne peuvent pas héberger tous les lapins qu'ils sauvent. Cela peut vous permettre de voir si vous serez à même de garder un lapin pendant une dizaine d'années ou si c'est juste le temps d'une expérience. Et cela vous permet du coup de faire un test entre guillemets et de pouvoir rendre service à une association, de pouvoir aider un lapin jusqu'à temps qu'il trouve sa famille pour la vie. Vous voyez défiler depuis tout à l'heure des associations, des noms d'associations dont j'ai la connaissance, mais il en existe sûrement plein d'autres. N'hésitez pas à vous renseigner. Je vous ai fait aussi des petites captures de ce qu'ils mettent sur leur site web pour se présenter. Je vous mettrai en commentaire, bien sûr, les liens pour aller se connecter sur leur site web. Et vous pouvez bien évidemment les contacter pour avoir plus d'informations sur la famille d'accueil ou sur l'adoption, parce qu'il faut remplir aussi des documents pour pouvoir être soit famille d'accueil, mais également pour pouvoir être un adoptant. Vous pouvez bien évidemment faire juste une donation pour ces associations ou également faire partie de l'association. Libre à vous de choisir comment vous voulez aider ces petits lapins. Mais si vraiment vous voulez en prendre un, vous avez la possibilité de les contacter. N'hésitez pas aussi à vous connecter sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour connaître d'autres associations et bien évidemment connaître aussi leur politique pour savoir si c'est en accord avec vous ou pas et pour trouver votre lapin, car il y en a beaucoup et chacun a son petit caractère. C'est aussi l'avantage de passer par une association. Vous êtes au courant du caractère du lapin, de ses problèmes de santé. Par contre, il se peut que vous n'ayez pas de connaissance de son passé, sachant que quand vous le prenez en animalerie, vous n'en avez aucune idée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aussi permis de savoir où trouver votre lapin, car c'est vraiment une question importante, ne pas faire d'erreur et pouvoir adopter un lapin, c'est quand même un acte réfléchi, ce qu'une association vous permet de faire. Sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.